Ouais, salut YouTube! Bon, ça a nettoyé un peu, c'était le bordel là. Ça a débourré les poteaux. Partout. Machin. Comme ça, là, au moins, on est tranquille. Voilà, ça a fait tout le tour, hein. Bim bam boum bam. J'ai mis quoi? L'échainage dans les poteaux, le linteau. Alors linteau, je me suis récupéré un 15-30 et j'ai rajouté deux barres en fait pour venir faire comme mon carré de la ceinture. Donc là j'ai deux barres en fait qui me reprennent la ceinture, qui liaisonnent tout ça intégré à l'intérieur du 15-35. Comme ça, ça m'augmente la densité en bas, c'est parfait pour un linteau. Voilà, bonne petite magouille. Après, je viendrai faire mon coffrage. Tranquilou bilou. Là, on voit un petit peu liaison en U. Donc là, j'ai mon poteau qui dépasse. Pourquoi? Parce que c'est mon côté pignon. Et là-bas, tu vois, ça dépasse pas. Et au coulage, je viendrai mettre les deux U verticaux. Ça évite de se faire chier, en fait, quand tu coules. Donc une fois que j'aurai gonflé mon poteau jusqu'en haut, pam! Je mets les deux U tranquille. Bon, mais voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi, à mon avis, le linteau bougera pas celui-là. Allez, la famille, je vous fais un gros bisou. Portez-vous bien. Et si, au passage, vite fait, franchement, j'ai une communauté de dingue quand même. Hein, les gars, il y a du savoir. Il y a vraiment du savoir. Je me demande s'il y en a plus dans les commentaires ou dans les vidéos du savoir. Allez, je vous fais un gros bisou et portez-vous bien. Ciao.